Il y a ceux, une centaine environ, qui ont passé la nuit sur des lits de camp dans une salle de l'aérogare. Il y a les autres qui se sont levés très tôt ce matin dans l'espoir d'une reprise du trafic. Tous sont très fatigués, voire excédés. Mais la direction de l'aéroport, qui a eu enfin des informations précises de la compagnie, prévient que tous les vols vers l'Algérie sont annulés aujourd'hui. Je me fais rembourser mon billet, je rentre chez moi. C'est la seule solution. Hein. Voilà. On attend. Hein. On va dormir ici jusqu'à qu'on trouve une solution. Hein. La meilleure solution, ils se débrouillent à me trouver un avion. Ils ont réussi à en prendre un pour 10 heures, ils se débrouillent. Ah, d'habitude, je prends le bateau, je sais. C'est-à-dire le monde qui va en voir où elle va dormir où, ma charge. Pour les responsables de l'aéroport, il n'y a que deux solutions pour ces passagers. Soit le remboursement intégral des billets, soit le voyage par bateau depuis le port de Marseille. Le prochain départ de la SNCM est prévu à 17h. Il était important d'annoncer à tous ces passagers de ne pas venir à l'aéroport pour continuer en fait à attendre quelque chose qui ne viendrait pas. On a mis des cars à disposition pour aller au port de Marseille et de gratuit donc pour les acheminer vers le bateau de cet après-midi. Donc ils ont au moins cette solution qu'Air Algérie prend en charge bien évidemment. Un conflit pour des augmentations salariales dont on ignore encore la durée, le tout aggravé par la période très touristique qui limite l'affrètement de vols supplémentaires.